Voilà dénoncé. Mais du coup, l'exposition qu'on va voir ici, c'est un projet associé entre les rencontres et nous. L'exposition de la ville, vous êtes souvent occupé. Est-ce que je peux vous faire un peu de temps? Mais bien sûr. Une vitesse, Marina. And this is Stanley. Your father. Bonjour. Le contexte. Et c'est aussi Là pour le coup, vous êtes en Suisse. Absolument. À base. C'est en France qu'on est les meilleurs en maths. Je ne veux pas vous contrarier, mais vous n'allez pas à Boston pour faire des maths. Venez, alors c'est. Non, mais vous allez venir plus tard. Vous allez venir. Et Marina est en train de studier. Wow. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, rien. Write about movies? Paris is a great place. On va parler de. Vous avez le coup. Et puis, on va garder cette entrée historique, mais en même temps, on va par ce bâtiment, et en fait, là, il fermait toutes les portes. Qu'on a rénové déjà et qui maintenant habite pour cet été des expositions de l'Université. Entre autres, une exposition du centre Pompidou de Beaubourg. Et bon, ça, on pourra vous le dire mieux, mais enfin, moi, je pourrais vous le dire aussi. Mais, et je passerai la parole à Moustapha tout à l'heure. Voilà, que vous faites sur le site, sur le bâtiment qui appartient à la Côte Sud, et puis ces deux bâtiments qui appartiennent à. Et nous sommes dans le grand bâtiment, on est à l'entrée du grand bâtiment. Qui est en fait une nef industrielle. Oui, mais c'est ça. Et en fait, la hauteur de ce bâtiment, c'est la même longueur, c'est la même hauteur. Ça n'a pas l'air de ça sur la maquette, hein. Mais bon, c'est ce qu'il me dit, et c'est la réalité des 56. Ouais. Celui-là va être fini en 2019. C'est commencé, c'est le bâtiment, si vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder. Ouais. C'est donc ce bâtiment qui est conçu par Franck Guéry. Et dessous, on a un programme d'exposition et on aura une salle au Nord Muséal. Et donc, ça pourra accueillir aussi des expositions qui voyagent. Mais on a l'intention d'en faire un centre de production, de toute façon. Oui, je pense que ça peut être bien. Et alors, ce qui manque sur la maquette maintenant, c'est l'École nationale de la culture. Hein. D'accord. Là, qui est l'un des plus gros projets de construction. Moustapha, tu peux dire quelque chose? Moustapha, notre CEO. Oui. Moustapha Bouayati. Non, que dire, si ce n'est que c'est une ville de 36 000 habitants, 53 000 à l'échelle du pays d'Arles. Et qui accueille 8-9 opérateurs culturels de l'envergure nationale et internationale. Et en gros, nous, on est en train de créer un équipement d'infrastructure qui fait que des événements qui ne pouvaient se dérouler ici jusque-là vont pouvoir être accueillis ou produits ici à Rennes. Et alors, Typiquement, on peut. On va vous présenter juste un élément assez rapidement tout à l'heure, mais on a une capacité de production. Et on a une collection d'archives qu'on est en train de constituer et ça va être un lieu de création et de production pour pouvoir occuper les espaces qui se déroulent.
si, on va organiser des réunions, des séminaires, des think tanks. On va pouvoir accueillir des gens qui viennent de l'extérieur. On espère beaucoup avoir des partenariats. Il y a déjà pas mal de choses qui sont dans le pipeline, mais qui sont pas encore, qui n'ont pas encore lieu d'être, puisque le bâtiment n'est pas fini. On ouvre en 2019. Et c'est dans cette direction qu'on aimerait travailler, d'avoir des partenariats, pour que, une fois l'investissement fait, on puisse avoir un programme qui nous permette d'exister à long terme. Parce qu'on va avoir un endowment, je ne sais pas ce qu'il peut dire, qui va permettre certains programmes. Oui. On est en train de faire des partenariats avec des universités aussi, ou des écoles qui sont pour l'instant à l'étranger, mais ce serait très intéressant de travailler aussi. Bonjour, je suis Mathieu Emery. Je suis en charge du programme des archives. J'ai à disposition des années. Tu vas nous montrer, on va faire un sprint. D'abord, je crois que. Le meilleur restaurant possible. Chef des opérations. Ah, oui, le meilleur restaurant. Ils sortent à Chirac. La communication de la ville d'Arles. Enchanté. Il y a un théâtre gratuit autour de la culture qui s'appelait César. Oui, donc il y a un écosystème organisé. Ah, on essaie de faire un truc qui est bizarre. On s'entend. L'idée, c'est de capter le monde, la lumière, oui. Sans la réfléchir trop. Et je pense que c'est ça qui est ça. Et bon, l'idée, c'est quand même que le design a une influence énorme sur la créativité. Donc on s'appuie aussi sur toutes ces recherches dans différentes universités, entre autres en France. Et que le lieu de travail, là, ça me semble bizarre parce que c'est vertical et certaines personnes à Paris pensent que l'art devrait rester horizontal seulement. La vraie raison, c'était pour qu'on voit juste tout le territoire, hein, parce que Arles, ça existe, l'identité d'Arles, c'est d'être quand même la plus grande ville de France. Je viens de France. Les gens qui nous représentent en même temps.